الصلاة لها شروط، هذه الشروط تأتي قبل الدخول في الصلاة. La prière a des conditions. Ces conditions-là, elles doivent être remplies avant la, le début de la prière. شروط الصلاة تسعة. Les conditions de la prière sont au nombre de neuf. الأول الإسلام. La première condition, l'islam. لو صلى الكافر صلاته باطلة. Un non-musulman, sa prière n'est pas valide. صلى من يسب الرب من يستهزئ بدين إسلامي صلاته باطلة حتى أتوب. Celui qui prie alors qu'il a insulté Allah ou son prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien sa prière n'est pas acceptée jusqu'à ce qu'il se repente. Donc deuxième condition, la raison. Celui-là qui est fou par exemple, eh bien sa prière n'est pas acceptée. Quelqu'un qui est ivre, eh bien sa prière n'est pas acceptée parce qu'il n'a pas rempli cette condition. الشرط الثالث من شروط الصلاة. Troisième condition de la prière. التمييز التفريق بين الأشياء ليس البلوغ. الصغير إذا كان يميز بين الأشياء يعرف أنه هذا نار وهذا ماء. تقول أجلس أجلس هذا معناه أن صلاته صحيحة. يميز وفرق بين الأشياء. La distinction entre les choses. Et on a bien dit la distinction entre les choses et non pas la puberté. À partir du moment qu'un enfant distingue entre les choses. Il distingue par exemple que le feu brûle et que la glace est froide, et bien à cette personne-là, cet enfant-là, se doit de faire la prière. Il remplit cette condition. Si le petit ne distingue pas entre les choses, et bien sa prière n'est pas valide. La quatrième condition, c'est l'intention. Et l'intention se prononce avec la langue, avec le cœur. Et le fait de la prononcer avec la langue, c'est une innovation. لم يتنفذ بالنية النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رضي الله عليهم. Ni le prophète صلى الله عليه وسلم ni les compagnons ne prononcé la niya, l'intention de faire la prière. نعم وعندما علم النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء فكبر. لم يقل له قل اللهم نويت كذا والله أعلم. Et lorsque le prophète صلى الله عليه وسلم enseigna à une personne qui faisait mal sa prière, il lui enseigna la prière. Eh bien, après les ablutions, immédiatement, il lui a dit de faire le takbir, le premier takbir. Il lui a pas dit de prononcer la niya.